parti. Doc. Mais Doc, mais qu'est-ce qui est arrivé à la DeLorean? Mais rappelle-toi, dans l'épisode 3, elle a été écrasée par un train. Mais Doc, mais qu'est-ce qui est arrivé à la DeLorean? Oh, figure-toi qu'elle a passé plus le contrôle technique. Et puis, celle-là, elle a 120 km d'autonomie. C'est largement suffisant quand on voyage dans le temps. Doc, mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Ah oui, c'est vrai, Marty. Il faut qu'on aille sauver le futur. Le futur? Mais qu'est-ce qui se passe dans le futur? Je reviens juste de 2042, à une époque où la Terre a été dévastée par l'arme nucléaire. Quoi? Oui, figure-toi qu'un bug dans la conception des processeurs informatiques a permis à la Corée du Nord de hacker le système de défense chinois, qui tournait encore sur une version pirate de Windows XP. Et en 2022, boum! Et c'est là que Trump, pour son deuxième mandat, a riposté. Et c'est là que Poutine... Enfin bon, il reste plus rien. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut traiter ce problème à la source et empêcher ce bug d'être introduit dans les processeurs. Mais comment? Ce bug qui a tout déclenché a été introduit en 1988. En 1988? Oui, à cause de la compatibilité ascendante, ce détail apparemment sans importance est encore présent dans les processeurs de 2022. L'architecte qui l'a introduit par mégarde travaillait dessus en 1988. Et c'est là qu'il faut intervenir. C'est vous le Doc, Doc, hein? Mais on trouve où cet architecte? Il a fait une conférence au Bryce Camp, pas loin d'ici. Enfin, pas loin dans l'espace, mais dans le temps, c'était il y a 30 ans. Enfin bon, les distances dans le continuum espace-temps sont une notion un petit peu abstraite. C'est vous le dites, Doc. Pas de temps à perdre. Tiens, enfile ces affaires de 1988. Et moi, je retire ça. Allez, dépêchons-nous. Enfin, on pourrait très bien ne pas se dépêcher, mais du coup, le film n'aura aucun rythme. Doc, on y va? Oui, le convecteur spatio-temporel va nous ramener en 1988. Je le programme pour nous arriver juste le premier jour du Bryce Camp, le 24 mars 1988. Mettons notre ceinture. Mais Doc, vous mettez pas votre ceinture de sécurité? Mais pas besoin de sécurité, Marty. Là où nous allons, il n'y a pas besoin d'être en route. Est-ce que je peux avoir un nom pour les badges, s'il vous plaît? Alors, Mark Zuckerberg, et moi, c'est Linus Torvald. Tu prends 50 francs pour les deux entrées, c'est sûr. Merci. Ah, je crois que j'ai fait une petite erreur de frappe sur votre nom. Oh, c'est pas grave. T'es pas grave. Ah, quelle excitation, mon Dieu. Bon, on repère les lieux discrètement, on se retrouve ici dans 2 minutes. Ok. Oh super, c'est de la haute définition, non? Oui, c'est du super VGA. Ça monte à 1024x768 en 16 couleurs et c'est vraiment idéal pour faire un poste de travail graphique. C'est gratuit? Pas tout à fait. C'est du bout. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous êtes un développeur? Hein? Est-ce que vous connaissez notre environnement DOSDEV? Ah, c'est un environnement qui a une productivité sans précédent. 10 fois plus rapide que votre environnement habituel. Je vous offre la plaque. Et n'hésitez pas à l'essayer. Hein? On faisait vraiment n'importe quoi dans les années 80. Mais putain, c'est qu'une dose, c'est vraiment codé avec le cul! Quand même! Mais merde! Ils déconnent de partout ce jeu! Ils ont pris de la drogue pour le faire ou quoi? Y'a quoi devenir fou? Un testeur de jeux vidéo. Quoi? McFly! T'as réparé la bande Street Fighter de la cafétéria? Hein, McFly? Non, pas encore, c'est compliqué, tu sais, puis vu que t'as balancé du coca dessus... Et comment tu crois que je vais faire pour m'entraîner pour le tournoi, moi, si tu répares pas la bande? Hein? Je m'en occupe aujourd'hui, promis. Papa est un nerd. Ah, Marty, te voilà. Ah oui, oh, j'aurais voulu t'épargner ça, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Et puis d'ici 2018, être un geek, ça sera devenu à la mode. Quoi? Bizarrement. Si vous le dites, Doc... Allez, on y va. Et avec cette toute nouvelle mémoire cache unifiée, nous allons pousser l'architecture 80-386 bien au-delà de ses capacités initiales. Ouais. Nous arrivons quasiment à doubler la vitesse d'exécution. Je vais lui poser des questions. Pendant ce temps, je vais corriger ces documents. Ok, allez. Bonjour, intéressant votre présentation. Je me demande jusqu'où vous irez avec ce processeur nouvelle génération. À quelle fréquence tourne-t-il? 25 MHz. Et on a même une version en laboratoire avec 33 MHz. Intéressant. Oui, puis avec 8 kilooctets de cache intégrée et son bus 32 bits, nous allons avoir accès à des ressources gigantesques. Imaginez, on ira peut-être même au-delà de la vie, des 640 kilooctets. Et il ne chauffe pas trop? C'est vrai qu'avec sa finesse de gravure à seulement 1 micron, on a quelques soucis. On cherche
une autre solution à base de radiateur. D'accord, merci. C'est fait, Marty, on peut y aller. McFly, qu'est-ce que tu fais là? T'apprends à programmer? T'es pas en train de réparer la borne? C'est que j'ai pas... T'as pas quoi, McFly? J'espère qu'on n'a pas trop modifié le continuum espace-temps. McFly, faut réfléchir! Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer si je vais au concours sans m'être entraîné avant? Tu veux que je passe pour un gland, c'est ça? Tu veux que je passe pour un bouffon au concours, c'est ça? Eh bien sûr que non, Biff, comment tu peux penser une chose pareille? Monsieur, vous avez fait tomber ça? Ouais, merci. Excellent jeu, vous allez bien vous éclater. Eh, je vais aller m'entraîner à ça. En attendant, tu me répares la borne d'arcade. Compris, McFly? Ok, je m'y mets dès que possible. Ok. Eh, McFly? Oui? Y a ton lacet qui est défait, là? T'es vraiment qu'une tâche, McFly. Dites, Doc, le gars de chez Intel, comment vous saviez qu'il serait brescant? Mais enfin, Marty, les meilleurs speakers sont tous au brescant! Je le programme, j'appuie sur des boutons complètement au hasard et ça fait blip 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 et ça affiche des trucs sur l'écran. On est content, on l'incrustera tout à l'heure. Ok. Très bien, à l'attaque. On y va. Pour d'autres jeux, c'est avec DOSDEV développé 10 fois plus vite. Sans vous de la pâtée. Ah ouais. Et quand tu vas imprimer ton document, ça va te donner exactement la même chose exactement sur ton papier. Même. C'est quoi? C'est qu'une dent? C'est quoi là avec le cul, ce machin? McFly, faut réfléchir un peu. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer si je vais au concours et que j'ai pas pu m'entraîner avant? Ah, McFly.